Je crois que mon tournevis s'est cassé. Tu peux essayer? Ouais. Allons-y. Allons-y. Géronimo. L'air est chargé d'ondes électromagnétiques. Dépêchons-nous. La boxe. Ouais, ça marche. Allume ça. T'es prêt à ouvrir ça? Regardez ça. Une représentation de nos TARDIS. Avec marqué Woot, Public Call Box. Il y a même un Bad Wolf. Gros bisous à toi, Rose. Donc oui, c'est la Woot Box de juin. Ouais. Tout à fait. Qui reprend forcément les couleurs du TARDIS parce qu'il y a un peu de retour vers le futur. Nos collègues, parti. Si tu le regardes. Doc. Doc. Hein, au plaisir. Et Doctor Who, hein, ça se voit. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il y a des trucs de fou. Je pense, ouais. Oh là là. Je pense. Pour une fois que je trouve le design des Woot Box belle, je pense que tu vas pouvoir la déceler avec ton tournevis. Mets ta main dedans. Et j'ai l'impression d'être Gilbert Montagné. Oh, le papier il est beau. On va peut-être regarder le papier d'abord. On regarde le papier tu d'abord. Tu tireras si tu veux, mais regarde ce qu'il y a sur le papier. Taille réelle, c'est le tien. Waouh, my god, trop bien. Cool. Donc Woot Box Magazine juin 2017, sci-fi. Comme tu l'as dit, science-fiction. Même si Doctor Who, pour moi, c'est du fantastique et pas de la science-fiction. Doctor Who, ça part vraiment des fois en live et que ça n'a aucun sens. Carrément. Vas-y, tire un objet lumineux, je veux voir. On est parti. Oh. Alors, du coup, directement. Du Doctor Who. Magnifique. Alors, c'est une petite titan. Les titans de Doctor Who, par exemple, je sais que Sandar déteste ça, il trouve ça trop moche. Les titans, t'as vu, c'est. On a des chances d'avoir des trucs. Je connais pas du tout, moi. Eh ben là, en fait, c'est des trucs à collectionner qui sont dans des petits emballages scellés. 2 chances sur 20. D'avoir le Docteur 10 avec ses lunettes 3D, 200 sur 10 d'avoir Captain Jack, 200 sur 10 d'avoir Rose Tyler, sur 40 d'avoir le 10ème Docteur, un peu exclusif, il y a un point d'interrogation. C'est ça, le maître, une chance sur 40, chaud, le TARDIS, une chance sur 20, et le K9, 2 chances sur 40. Oh, on a envie de savoir, vas-y, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas voir, c'est pas très très beau. Mais c'est, en fait, c'est comme l'époque, mais en pire. Oh, c'est même marqué Docteur Who sur le sachet, sympa. C'est cool. C'est bon, moi j'ai vu. C'est bien ou pas? C'est bien. C'est rare? C'est pas rare. Moi j'apprécie. T'apprécies, bon. J'apprécie parce que du coup, ça va. Allez! Oh oui! Collection avec le Bad Wolf. En fait, le TARDIS, il rend trop bien. Dans ses proportions un peu bizarres, parce que t'as vu, il est un peu... Ouais, il est un peu évasé... Ah, une chance sur 20, hein, c'est pas le plus commun. J'adore. Bravo. C'est très cool. Magnifique. Bad Wolf. C'est un docteur. C'est ça. Ah, il y a une pop. Ouais, je l'avais senti la pop. C'est sûr, il y a une pop, mais alors je prends autre chose, je prends du tissu. Je crois que c'est des chaussettes. Oh! Chaussettes Mass Effect. Sympa comme tout. BioWare officiel en plus, sympa. J'avoue, c'est un peu bizarre d'avoir des chaussettes. En plus, on est en été. Ah, génial! On est en été. Ils ont pu nous offrir une écharpe en soirée. Ça reste des chaussettes avec des trucs de chez Jules, quoi. C'est avec ça. Marqué N7 dessus. C'est ça. C'est sympa, mais bon, franchement, faut avoir le détail du mec qui soit tu te mets en short et t'as les chaussettes. Ouais, du coup, t'as l'air con, mais on voit N7. Ouais. On voit pas. Si tu fais ton revers, quoi. Ah, ou alors, si tu fais à la wesh, tu mets la chaussette par-dessus le pantalon, quoi. C'est si t'es un dealer, peut-être. Ouais. Bah, après, bon, ok, pourquoi pas. Prendre la pop. Est-ce que je te la laisse? Ah, bah non. Ah, c'est sympa. Oh, elle est cool! C'est cool. Alors, exclu Woodbox. Du coup, c'est un Groot. Gardien de la galaxie. C'est une exclu Woodbox, effectivement. Qu'est-ce qu'elle a d'exclusif, celle-là? Ah, c'est qu'elle croise les bras. Ouais, elle croise les bras, puis elle est pas. Je suis pas content. C'est plutôt cool, les Gardiens de la Galaxie, c'est chouette. Alors, même si c'est un personnage que moi j'aime pas spécialement, on en avait déjà parlé. On en a parlé. Mais il représente. C'est ça. La Titan plus ça, déjà, c'est pas mal pour l'instant. Les chaussettes, bon, laisse tomber pour l'instant. Ouais, c'est ça. Allez, je veux piocher. Alors, qu'est-ce que c'est que cette t-shirt? Ah, il va être content du retour vers le fufu. Yep. Les grands sa mère, c'est quoi? C'est un M encore. Mais tu vois, mais il taille trop mal par contre. Retaillez vos t-shirts surtout, Woodbox, quoi. Il y a un problème là. Je trouve pas que le design soit très top, quoi. La DeLorean en tant que telle, moi qui l'adore, tu vois. Non, puis Marty, il est gris. On dirait Michael Jackson. Je suis pas énormément fan du. Le gris chiné, quoi. C'est ce qu'on voit sur tous les t-shirts, quoi. C'est pas ouf, quoi. Prends-moi le badge, allez. Qu'est-ce que c'est? Ouf. Alors, un pins, Transformers. Je suis désolé, mais alors là, moi je suis pas fan du tout en perso. Hein, mais... J'aime pas Transformers non. C'est pas terrible. Voilà. Bip. Petit pins Transformers, rien de bien spécial. Je reste fan de ça, je trouve que c'est le mieux. Il est vraiment le tout petit, La boîte est cool, c'est con, mais alors ça, t'as une belle boîte chez toi. Le TARDIS va avoir vraiment une place. Une place, tu mettras dedans de la bœuf. Vu les quantités, tu vois, je me suis dit, c'est bien, c'est un bon. Ah bah c'est sûr. Là t'as du grammage à mort. Ah c'est ça. C'est cool. Bon, alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette box, mon cher Pipi? Là pour le coup, la boîte en elle-même, c'est ce qu'on disait, elle est magnifique. Le TARDIS, il est super. Et puis l'exclu pop aussi, quoi. Après le reste, la plupart du temps, les t-shirts.
t-shirt, déjà il taille mal. Ah, le design n'est pas beau là. Ouais, là, désolé, mais alors, il est pas beau. Alors que moi je suis un fan vraiment de la saga Retour vers le futur. Merde, faites un truc en noir quoi, parce que les t-shirts noirs ça coûte un peu plus cher, on sait, à produire, mais ouais, c'est tellement plus classe un t-shirt noir. C'est un beau logo en couleur, tu vois, là c'est un truc tout fade gris chiné avec un truc tout fade gris. Ça ressort pas assez, du coup il y a un gros défaut quoi sur cette woodbox. C'est bien dommage. Ouais, je suis un peu déçu. Et les chaussettes, bon bah c'est rigolo, c'est le petit clin d'œil. Au même prix, nous mettait un bonnet Mass Effect, c'est plus sympa, tu vois. Ouais, il y a une du Doctor Who, il y a marqué Bad Wolf sur la boîte, on est content, mais mitigé. J'attends beaucoup aussi de celle du mois prochain. Beast. The Beast. Il y aura du Pokémon. Oui, il y aura du Pokémon. Moi, bah, je suis pas enjaillé à mort, j'étais très enjaillé avant de l'ouvrir. Bon, après, voilà. C'est dommage. Et puis au niveau rapport qualité-prix, moi, ce que je pense, hein, c'est de la mauvaise pub que je fais, mais c'est pas grave, c'est que, par exemple, E-Tech, c'est un peu mieux quand même. Ça donne un peu plus envie, quoi. Exactement, Michel. Bon, écoute, on va repartir sur notre planète. C'est ça. Parce qu'il est temps qu'on aille ouvrir d'autres box à d'autres espaces-temps. On va aller voir tout de suite si la woodbox dans 4-5 ans, elle sera mieux. Donc on vous laisse et puis on va voir cette woodbox. Allez, à la prochaine. Ouais, démarre le TARDIS, mon gars. Ouais, super.